Et bonjour à toutes et à tous, ici SperH pour vous faire la suite de notre let's play découverte de Clone Wars Dirt of Phantom Isle, le remake de la Fantasy Reverie Series sur PS5. La dernière fois on a commencé ce premier jeu, donc résumé rapide de ce que j'ai compris du scénario. Nous sommes donc à Phantom Isle, un monde où les rêves ont une grande importance apparemment, et un certain Gadius a enlevé la diva Lefisa, qui était censé être en possession d'un pendentif, mais qu'ils n'ont pas trouvé. Donc ils sont barrés, et nous, il va falloir qu'on les poursuive, et apparemment, pour ça, il faut qu'on se rende dans la forêt de Forlock, à la recherche de bonne maman. J'ai pas encore toutes les clés en main pour comprendre efficacement le scénario, mais c'est pas grave. Alors le premier épisode a été bien reçu, j'étais content de le voir sur Clora, donc j'en suis très content, et apparemment, ce qui n'est non négociable, c'est que je débloque l'extravision. Donc on va essayer, je promets pas, mais on va essayer. Du coup c'est parti pour le niveau 2, enfin, la vision 2-1. Les tréfonds de la forêt agonisante. Forlock, le village arbre. Ok, y a rien derrière, c'est parfait. J'essaie de le prendre sans prendre de dégâts, mais j'arrive pas. Voilà. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose, toi, donc on va te laisser tranquille. Comme de toute façon, les ennemis respawn. Ça devait arriver. Ok, ça va être galère. Je tourne cet épisode longtemps après le premier épisode, donc c'est pas gagné. Ok. Bon, j'ai pas récupéré tous les cœurs que j'ai perdus, mais c'est pas grave. Je peux pas remonter. Là, je peux. Ah, il a pas respawn, lui. Ça, c'est fait. Non, le jeu a pas l'air évident non plus, quand même. Toi, dégage. Faut que je passe par en bas d'abord. Non, là, faut que j'y aille dedans pour accéder à autre chose. Alors, c'est pas toi que je voulais, mais bon, admettons. Récupère des clés et ouvre les portes. Tu ne pourras pas ouvrir ces portes sans clé. Trouve la clé et fonce sur la porte pour l'ouvrir. Ok. Donc là, c'est la suite, donc c'est un cul-de-sac. Bon, ces trucs-là, je vais pas chercher à les choper parce que j'arrive pas. Encore une fois, j'ai pas le timing. Parce que j'aurai le timing du jeu, mais à la toute fin en fait.
Par contre, il va falloir toi en fait pour choper le. L'œuf. Non, raté. Parfait. Alors du coup, la clé, elle est où? Que si elle est pas là-bas? Voilà, le game over, on l'a eu. Ça va être long. Le jeu est peut-être court, mais ça va être très long avec mon skill habituel. En vrai, je trouve que le timing pour choper les mobs est extrêmement dur, mais ça n'en engage que moi. Je vois qu'il y a des... Il y a des joyaux au-dessus. Enfin, des pierres. Ah, d'accord. Ouais, tu peux pas te choper, toi, en fait. Ah, si. Bon. On va passer à part ailleurs. Ah, presque. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire. Je suis déjà paumé. C'est la deuxième zone du jeu, je suis déjà paumé sur ce qu'il faut faire. Ah, trop bas. Ah, d'accord, on est d'accord, j'ai pas de clé. C'est que je déclenche un event. Je me déteste. Donc là, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai galéré et je suis mort pour rien. Yes. En vrai, la vraie difficulté du jeu, c'est réussir à timer les sauts et tout le bordel, parce que dis donc... Qu'est-ce que c'est compliqué? Ouais, alors par contre, si les deux sont là, ça va être compliqué. Voilà, viens là, toi. Voilà, juste pour ça. Attends, il va falloir que tu viennes là me voir, attends, par contre. Ah mais tu descends? Ouais d'accord. Tu remontes au moins ou... Oui tu remontes. Et de 1. Et de 2. Raté.
Par contre, du coup, ces mobs-là, j'ai l'impression que c'est les seuls pour l'instant qui ne respawnent pas quand on les attrape. J'ai eu chaud là. Sans récupérer les pierres, alors si je sais que je les ai pas toutes. Les timings gênés. Re dans le jeu. Ça aussi, c'est un timing généreux. Ah, par contre, du coup, oui. Tout ce que j'ai fait après le checkpoint n'est pas sauvegardé, évidemment. Ah, si. En fait, l'œuf avec le. La pièce de puzzle est sauvegardée, sauf que l'œuf qui donne des pierres n'est pas sauvegardé. Ok. Je te garde avec moi, on sait jamais. Comme je sais pas en vrai si en recommençant un niveau, deuxième fois, on garde les. Ça garde les pierres qu'on a ramassées ou pas. On va quand même dans le doute les ramasser, on sait jamais. Bon bah, changement de programme, on va sauver un roi. Yes. Du coup, vision de 2. Ouais, là j'ai raté beaucoup de pierres, mais c'est pas grave. Allez, go. Du coup, ça voudra dire que dans la forêt, on pourra faire un deuxième niveau plus tard. Au-delà de la cascade à contre-courant, le royaume cruche. Ah, par contre, quand j'entends cruche, à chaque fois j'ai l'impression d'entendre la doubleuse d'Elora dans Spyro 2 qui prononce crush mal en fait. D'accord, je peux pas passer là-haut. Oh, bien. Glisse sur les courants, appuie sur les flèches assises pour accélérer et ralentir. Ok. D'accord. Ok.
Nicolas, donc c'est un mur invisible, on est d'accord. J'avoue qu'une casquette dans ce sens-là, c'est pas commun. Enfin, si, dans Psychonautes 2, c'est normal, mais on n'est pas dans Psychonautes. Ah, par contre, j'adore l'ambiance du jeu en termes de graphisme ou de musique. C'est, franchement, c'est un régal. Enfin, j'arrive à aller au-dessus. Ah, presque! Ah, moins que ce soit pour plus tard. On va avancer, on verra. Ouais, ok. Non, ok, je pensais que c'était un pilier qu'on pourrait faire descendre. Donc non. Donc, la question c'est comment j'arrive à accéder là-haut. J'arrive. Ah, peut-être en forçant, peut-être. Peut-être. C'est bon. Alors là, dans les contrôles, j'ai vu qu'il y avait deux boutons de tir, carré et cercle. J'ai l'impression que c'est le même. Hein. Depuis tout à l'heure, j'alterne, mais je vois pas trop de différence. Donc ça, ça se fait pas. Ah, ça peut péter l'ennemi, ça. Ah. Dans la merde là en fait. On va recommencer le niveau. Si je peux réessayer. Ça va recommencer tout le niveau. Bon, ça va que je suis qu'au début. Bon, et là on fait pas le con. Non, je l'ai utilisé pour double sauter. Bon, tant pis. Flemme. À moins que lui il passe là, mais. Bah non, il passe pas là. Ouais, bah tant pis. À moins que j'essaie de me faire crever, mais. Et du coup, je pourrais recommencer au. Au. Merde. Au réveil. Plutôt qu'à recommencer tout le niveau à chaque fois. Alors je sais pas si c'est moi qui suis juste mauvais ou si ça veut dire que les morceaux de puzzle comme ça, ça va être chiant à choper. Voilà. Comme ça qu'on fait quand on n'est pas un boulet. Ça. On va faire marche arrière. De la gauche dans le bon chemin.
Ah, c'est... Ah, je pensais qu'il y aurait une... C'est juste pour récupérer des pierres. Ok. Ah, c'est pas... Ok, bon, d'accord. On va faire confiance au jeu. En fait, ça, on a accédé via dehors. En fait, je pensais qu'en fait, à droite de la cascade, il y aurait un chemin pour aller en dessous pour récupérer le puzzle que j'avais vu. Mais en fait, non. En théorie, il m'en manque deux. Ok, en bas, il n'y a rien. Toi, tu viens avec moi. Oh, ce décor par contre, sublime. Franchement sublime. J'ai pas eu la pierre bleue mais c'est pas grave. En fait je pense que pour avoir toutes les pierres d'un niveau, il faut donc du coup toutes les pierres, mais aussi il faut profiter à fond du x2. Je pense que c'est pas possible à avoir autrement. Rien en dessous, je pense pas. Voilà. Ah, un œuf caché. Pour de la vie en plus, c'est pas grave, j'étais déjà à fond. Alors là-bas, ça m'intéresse ce qu'il y a. C'était quoi ce bruit, Clonoa? C'est quoi ce bruit de noyade? Ok, il en manquera un. Normalement, on est bon. Même pas besoin de tuer le mob, c'est parfait. Aïe, aïe, aïe. Ah, un gros. Alors, on va tester un truc qui était marqué dans le tuto du premier épisode. Je peux monter dessus. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux comboter? Ah non, parce que du coup, il se relève. Ah par contre, avec l'eau de derrière. On va attendre qu'ils reviennent, je vais tester un truc. Ah ouais, je peux comboter les deux. Oh nice. De toute façon, c'était obligatoire. Dans tous les puzzles de ce niveau, c'est bon. Je fais pas un 100% des pierres, mais au moins si je fais 100% ça,
Ce serait cool, vu qu'apparemment, il faut que je débloque l'extravision. Parfait. Bon, tant pis. Pour des pierres en plus, je pense. Tire une baléole ou lance un ennemi sur un interrupteur et découvre ce qu'il se passe. Oh, c'est sympa ça. Allez, deuxième boss, Acolof Maléfique, Pamela Maléfique. Ouais. Donc c'est bien le vrai roi, sauf que c'est pas... Raté. J'ai raté. Là, viens là. Ok, c'est bon. C'est bien ça qu'il faut faire. On a toujours un coup à la con à ce niveau-là. Je sens que les bulles vont pas être très gentilles si je les touche. Ouais.
va attendre qu'il descende de sa bombe. Voilà. Pour un coup, normalement, on est bon. Ah, j'en étais sûr. Quand je voyais la vie qui me restait, c'était ça me paraissait compliqué de faire ce travail au boss. Mais ça, je sais. Je sais comment on l'affronte, j'ai compris. Bon, l'avantage, c'est que quand Pamela elle saute, elle renverse les boules sur le passage. Ça, au moins, c'est l'avantage. Si je peux frapper Pamela pendant qu'elle est dans l'eau. Je sais pas s'il y a moyen de la taper comme ça. Dans le doute, je vais pas essayer. Alors, je vais pas vous cacher qu'à la base, je pensais que le petit poisson dans sa cage serait le boss. Ce sera un piège. Mais au final, non, c'était pas un piège. Donc j'adore le design de Pamela. Son thème de boss est cool aussi. Bon, les bubules. J'ai pris un coup dans la bataille, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Un niveau plutôt long. Qui sait. À l'image de cet épisode, c'était un peu l'épisode du non-skill, mais bon. Au moins, j'ai toutes les. Pour l'instant, toutes les pièces de puzzle, que je sais plus si c'est un nom précis, donc dans le loot, je les appelle comme ça. Ce qui est l'essentiel. Donc la prochaine fois, on retourne à Forlock pour la vision 3.1. Voir ce qui est arrivé à Bonne Maman et en apprendre peut-être plus sur le Royaume Lune. Donc bah, merci d'avoir suivi cet épisode, le petit like, commentaire, partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson, le Discord en description, je dis à bientôt pour la suite de Clone Wars Adore to Phantom Isle. Salut !